des chameaux. Jamais entendu parler de chameaux au jardin d'Éden. Et pourtant, je connais bien toutes les bêtes de la création, les grosses comme les petites. Mais si, enfin, Samuel a raison. Et il y avait aussi des éléphants. Bon, admettons, puisque Dieu a créé tous les animaux, chameaux, éléphants, moutons, cochons... Ah non, pas de cochons. Dans l'Éden, Adam et Ève pouvaient manger de tous les fruits. Sauf la figue, qui était le fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu avait prévenu Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'était pas une figue, mais une pomme. Ah bon? Ce n'était pas un olivier? Un pommier. En goûtant à l'arbre de la connaissance, Adam et Ève virent qu'ils étaient nus. En défiant Dieu, ils ont entraîné l'humanité dans une corruption du corps et du cœur pleine de ténèbres, d'égoïsme et de méchanceté. Oui, bon, ce n'était quand même pas si grave. D'autant qu'Adam était un modèle de pénitence. Oui, c'est vrai. Tous les jours, il pleurait en face du paradis. Prenez pitié de ceux qui vous ont fait tort, mais qui ont besoin de vous. Et Adam, que la paix soit sur lui, a vécu avec sa femme pendant 930 années. Voilà qui prouve bien la miséricorde divine. C'est quand même bien à cause de ce péché mortel que le paradis a été perdu, non? Que la femme enfante dans la douleur. Et que l'homme est condamné à travailler durement pour se nourrir. Soit. Mais il y a tout de même eu quelques exceptions de retour vers le paradis. Rappelle-toi, Élie sur son chariot de feu. Et Mahomet, alors? Lui aussi, il a fait ce voyage. Et de nuit, même. Sur le dos de Burak, la jument à tête de femme. Une jument à tête de femme? Non. Vraiment? Tu te moques de la monture des prophètes? Non, seulement voilà. Tout le monde n'a pas la chance d'être un prophète. La route pour regagner le paradis est autrement plus difficile pour le simple fidèle. Chaque jour, il doit accomplir des actes justes pour pouvoir, à sa mort, se présenter devant les portes du paradis. Il doit faire sa communion, l'aumône, des dons à l'église. Le croyant doit surtout obéir aux 5 piliers de l'islam. Il doit faire sa profession de foi, la prière 5 fois par jour, donner de l'argent aux pauvres, faire le jeûne au ramadan, le pèlerinage à la Mecque. 5? Mais il y a 613 commandements, pas un de moins. Savoir qu'il y a un Dieu. Ne pas spéculer sur la possibilité d'autres dieux que lui. Savoir qu'il est un. L'aimer, le craindre. Sanctifier son nom. Ne pas profaner son nom. Ne pas détruire d'objets portant son nom. De toute façon, nous, on ne se pose pas de questions sur l'au-delà. Ah oui? Pourtant, quand tu te présenteras devant la porte et que les anges te demanderont qui est ton Dieu, quelle est ta religion, quel est cet homme qui t'a été envoyé, si tu ne réponds pas Allah, l'islam et le prophète de Dieu, Radwan ne te laissera jamais entrer. Radwan? C'est qui celui-là? C'est Saint Pierre qui a les clés du paradis. Hein? Ce jardin des délices, il y aura toutes sortes de fruits, des fleuves de lait, des fleuves de vin, des fleuves de miel purifié. Les élus retrouveront leurs épouses, mais ils pourront jouir aussi des faveurs d'éphèbes et de vierges aimantes. Ah non,
Dans le royaume des cieux, les justes prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Converser entre amis autour d'une petite collation. Vraiment, quel délicieux moment!